C'est dans le huis clos de la salle d'audience, derrière cette lourde porte, que se tiennent depuis ce matin les débats. Pas de public et pas de journalistes non plus, conformément à ce que prévoit la loi lorsque les victimes sont mineures au moment des faits. Depuis ce matin, l'ex-chirurgien de Jonzac, arrivé sous bonne escorte, doit répondre de viol et ou d'agression sexuelle sur 4 victimes entre 1989 et 2017. Son avocat décrit un homme stressé. Il se présente aujourd'hui avec un état d'anxiété et de stress qui effectivement le caractérise aussi, hein, puisque quitte à surprendre quelques personnes, M. Skornec reste un homme. Et c'est quelqu'un qui effectivement aborde son procès avec une part d'anxiété qui est assez importante. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement soulagé de pouvoir, durant les jours qui vont suivre, s'exprimer et puis s'adresser à ses victimes directes et leur dire ce qu'il a à dire. Des victimes et leurs familles, détruites après avoir croisé la route de Joël Le Skornec. À l'image de la petite voisine de Jonzac, dont le témoignage a permis d'arrêter ce prédateur sexuel. Un témoin ravagé par la souffrance, comme en témoigne son avocate. Vous pouvez être préparé des mois et des mois à l'avance. Il n'empêche que quand vous vous retrouvez devant la personne qui a fait autant de mal à votre fils, c'est toujours très compliqué à affronter. Quelle que soit la préparation, on ne peut pas se mettre à la place des victimes. Je pense que les victimes ont beaucoup de mal et beaucoup de souffrance en elles. Le procès doit donc se tenir ici, devant les assises de la Charente-Maritime à Saintes jusqu'à jeudi. Joël Le Skornec encourt 20 ans de réclusion criminelle.